Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle Bah, vidéo celui de qui Dragon brille Age pour toi choisit le Inquisition, bon et décor. nous allons faire Complète la aujourd'hui le quête. mal profond. Donc c'est une petite quête qu'on a récupérée, si je me trompe pas, après avoir dépoté le truc des mercenaires, le campement de... Enfin non, c'est pas le campement des mercenaires? Si, c'est le campement, le donjon des mercenaires, enfin bref, le bastion des mercenaires, si je me rappelle bien. Donc, le cartel met en place une opération, d'accord, marche solitaire, et nous devons trouver le chef du cartel à Valamar et éliminer-le. Bon, ben ok, je pense que ça va le faire, non? Du coup, je vais peut-être prendre... Je suis lent ou pas? Voyons si je peux y aller à pied. Je suis... Ouais, je suis quand même un peu loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un cheval et je pense qu'en passant par... tiens, je vais prendre le camp là, en admettant que je ne sais pas si j'ai encore des potions, j'ai pas regardé, et je viens de relancer le jeu. Donc dans la vidéo précédente, on a poutré un campement de Templiers. Deux vidéos précédentes, je ne me rappelle plus déjà ce qu'on a fait, ça passe tellement vite. Sinon, à part ça, je pense que le format plaît bien. Je suis content des vues jusqu'à présent. Je sais pas trop à quelle vidéo j'en suis là. Je sais plus, de toute façon j'enchaîne les vidéos, c'est ce qui compte. Et vous aurez tout ça en fin de compte sur la chaîne en tant que vidéo séparée. Comme ça au moins, ça sera plus facile pour vous si vous voulez retrouver directement une vidéo. Merci bien mon coco. Je pense que le format comme ça est plus adapté à un gros bordel où je fais des vidéos de 30 minutes et je fais plusieurs missions. Bref, j'ai toujours fait comme ça et je continuerai à faire comme ça. Je pense que c'est plus adapté. Si maintenant vous avez d'autres propositions, dites-le moi, hein. Maintenant si ça vous plaît pas les formats que j'ai fait, ça ne dépend plus de moi. Voilà. Bon bref, on va laisser poutrer ce machin. Alors pourquoi j'ai l'impression que la grosse cascade là, elle va m'empêcher de passer là où je veux. À moins que je dois traverser la cascade. Je devrais traverser? Ah. Y aurait-il pas un cadavre ou non? Parce que généralement quand il y a des trucs comme ça, il arrive que... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai pas encore trouvé ce camp? Ouais. Ah bah ça a l'air d'être par là en tout cas. Il y a l'air d'avoir une grotte. Tiens, on va aller voir par là. Ce serait pas ça le truc de jeuxvideo.com? Ils me sont, enfin, jeuxvideo.com, ils ont fait un test, si je me rappelle bien. Ouais, d'accord, poignée, écoute, je vais prendre ça. Hein. Ils ont fait un test ou un let's play, un gaming live, et je pense que c'est sur cet endroit. Alors, j'ai de fou. Non, je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est là. Donc, écoute, on va aller voir tout ça. Tiens, on va prendre Cassandra. Cassandra a une nouvelle épée, donc théoriquement, elle va frapper un peu plus fort. Archer, assassin. Archer, donc Cassandra va aller faire ça. Alors, cela s'il peut me geler l'assassin, parce que l'assassin, je sens bien le coup du je t'attrape et je te poutre par derrière. Et Varric va théoriquement me faire un bon vieux tir, voilà, dans le truc. Et puis moi, je reprends ma place. Allez, c'est parti. Bon ben voilà. Ça ressemble au cartel. Avec la présence des mages et des templiers à la fois, le trafic de l'irium serait des plus profitables. Bon alors, porte de Valamar. Ok, je vais juste virer par contre le marqueur. Ça va vite me saouler. Voilà, merci. Donc nous y sommes, on va voir ce que ça vaut. Je regarde un peu, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Hein. Surtout pour le craft, j'ai vraiment envie de... C'est un porcinet ça? Petit cochonnet. Donc du coup j'ai vraiment envie de découvrir le craft, donc c'est pour ça que je chope le moindre truc qui passe, je prends. Et je ne sais pas s'il y a la possibilité d'avoir un coffre dans le jeu. C'est vraiment je sais pas, ils en ont jamais parlé. Mais il est pas censé être mort lui? Bon allez, on va voir ce que ça vaut. Oh, c'est génial de pas avoir de putain de chargement. Ah, peut-être que là, il... Ah si, il y a quand même un chargement, là. Bon, bah, à mon avis, c'est que ça doit être une zone souterraine. Bon, c'est pas grave. Je trouve ça un peu con de mettre une porte pour après mettre un chargement. Bref, ils auraient pu mettre directement un chargement, mais bon. Alors, je pense que c'est une autre zone qui est à l'intérieur. Ça a l'air bien joli. Ce serait peut-être dans le style du sanctuaire de Primarbor, de Skyrim.
souterrain avec des cascades qui descendent, avec des puits de lumière qui pourraient être magnifiques. J'espère qu'on aura ce rendu-là, que pas simplement une grotte un peu stupide. Le chargement est un peu long, ça m'inquiète un peu. Quand tu veux, mon poulet, hein. C'est pas comme si je pouvais aller prendre un café et aller pisser un coup, hein. Bon, vous avancez un tout petit peu. Ah, quoique, voilà, nous y voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Oh, putain, qu'est-ce que c'est beau. J'ai vu qu'il y avait Ça doit être des un critiques ancien comme quoi avant-poste de il, nain. en, À quoi il sur servait? certains, sur certains Un commerce, sites. peut-être. Je n'en sais pas plus que vous. Okay. Sur certains sites, il parlait de choix bizarres sur le design et les graphismes. Je trouve pas que ce soit spécialement bizarre. Oh, le nain, vous avez vu ça? Vous avez vu le nain là? Ah, oh, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, c'est un nain, hein, oui, ça doit être une cité naine, c'est pas possible. Une cité sous terre comme ça, il y a de fortes chances que ce soit une... Oh, bah voilà, là il n'y a plus de doute. Putain, qu'est-ce que c'est? Ah, je prends 2 secondes juste pour prendre mon pied là-dedans. Ah, oh, ça le fait quand même, il n'y a pas de doute. Et là, c'est profond ou pas? Ouais, d'accord, on va éviter de sauter quand même. Bon, il y a des petits cadavres. Ah, si, voilà, je me rappelle maintenant du truc de. Ah, salut toi! Je baisse un peu le son de la télé, ça hurle. Voilà, merci, désolé. Oh, les trucs et tout, les mains, les statues sont bien faites. Les textures des statues sont superbes, alors qu'il y a vraiment des endroits où la statue a l'air d'une vieille merde toute taillée. Je sais pas expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a une telle différence sur certaines textures. Faudra voir, ou alors c'est la console. Je sais pas en tout cas. Ah, pierre de. Ah, bah tiens, c'est bon ça à prendre. Alors, j'ai dit dans une vidéo précédente que c'était je cherchais une plante, que c'était du Valandris. Alors, il faut savoir que je suis un peu loin de la télé est pas immense, donc je ne vois pas bien parfois ce qui est écrit en dessous. Donc, en haut à droite, vous avez mal profond. Et même avec mes lunettes, j'ai vraiment du mal à lire parfois, il y a certaines lettres. Donc, c'était du Valandaris. Il me semble que c'est du Valandaris. Alors, je pense que c'est une plante. Bon, à voir, c'était sur la quête lettre d'amoureux ou lettre amoureuse ou un truc comme ça, ou lettre romantique peut-être. Donc désolé, je me suis mal exprimé, enfin je ne connaissais pas le nom de la plante, voilà, tout simplement. Donc c'était pour une petite rectification après visualisation de la vidéo sur le PC. Allez, hop. Cette porte peut être ouverte que par une sorte de mécanisme. Ok, bon bah écoutez, on va. Donc voilà, donc je vais rectifier vu que je ne connais pas le jeu et que je le découvre en même temps que vous sur les vidéos. Je devrais rectifier certaines choses après montage des vidéos, où je me rendrai compte tout simplement que, ou bien il se peut que je ne vois pas certaines actions à faire et que je tourne comme un con. Alors je m'excuserai. Enfin, voilà, bref, on va pas en parler pendant des heures. Vous avez compris le principe. Alors qu'est-ce que ça vaut ça? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, putain. Allez hop. Ah. Oula. Ah, saloperie, c'est quoi qui vient de me. C'est cela ça qui vient de me carboniser là? Ah, il y a de fortes chances, ouais. Bon, bah pendant qu'il je tape, moi je fouille, hein, comme d'hab. Hop, hein. Ah, elle s'est pris un petit coup de feu sur la tronche. Ah, des petits coffres, des trucs comme ça, non? Alors, je sais pas à quoi servent les pierres de Drake. Ouais, de Drake. Je pense que ça va être pour du craft, pour des trucs spéciaux. Ah, si on peut se faire des armures avec ce sorte de pierres rouges comme ça, je pense que ça va être vraiment magnifique. On va pouvoir vraiment se faire plaisir sur la personnalisation, je pense. Bref, ça va être que du bonheur. Tiens, à part la carte, j'ai envie de voir. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est une sorte de donjon, quoi, c'est ça? Il y a plusieurs étages.
Bah putain, je suis pas dans la merde. Je sens qu'on va se faire une bonne grosse vidéo. Donc c'est une sorte de donjon, je pense. Alors, message de sécurité. Ouais. Ok, d'accord. Ça va être un plan, ça, non? Je peux m'asseoir? Ah, ça, c'est pas cool. Dans Skyrim, on pouvait ça... Ah, frapper. Toc, toc, toc. Je peux le faire si vous voulez. Ok, allez, vas-y. Ah oui, c'est frapper, frapper. Moi, je pensais à un petit coup de toc, quoi. Ah bah ouais d'accord, moi je m'attendais à toc 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 quoi. Non pas la bourrinage. Bon bah écoutez, je vais voir. Coucou, c'est moi. Ah pas mal. Alors bâton de foot d'enchanteur, ouais. Ouais bah écoutez. Va tout prendre hein. Alors il faut savoir aussi qu'on a un maximum de 60 objets à prendre. Je ne sais pas si on pourra améliorer cet espace par après avec des recettes. Ah, pas mal ça. Je ne sais pas si on pourra améliorer justement notre sac à dos entre guillemets avec peut-être des améliorations. Il faudrait voir. Mais nous pouvons à chaque fois revendre ou bien détruire un objet si par hasard. Ah, Vous voulez nécessite que je voleur. Ah vous oui, mais l'adjure? c'est... Ah oui, je n'avais pas dit. Dans les vidéos aussi, justement, je reprends. Varric est un voleur et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'ai jamais joué au jeu avant. Et c'est vrai que j'aurais pu ouvrir voilà, tout simplement des maisons dans les premières vidéos que j'ai faites. Et en changeant de personnage, c'est vrai que j'avais dit qu'on aurait peut-être un compagnon voleur et en fait, je me suis pas rendu compte que je l'avais déjà, tout simplement. Voilà, donc c'est encore une petite rectification que je devais faire. Code de maille, ah! Oh, armure lourde. Est-ce qu'elle est mieux que... Tiens, est-ce qu'elle est mieux que celle que j'ai chopée sur le truc des mercenaires, sur le chef des mercenaires? Non, c'est Cassandra. Ah oui, mais si je suis en armure, voilà. Alors, comment elle est? Dites-moi. Non, c'est d'accord. Code de maille d'avant-garde supérieur. Ouais, non, d'accord. Celle-là est quand même mieux, je pense. Ouais, elle est quand même mieux. Bah, je lui mettrai, surtout qu'elle doit être bien jolie l'armure, donc on lui mettra tout ça dès que j'aurai atteint le niveau 8 ou 9, si j'ai bien compris. Ok, d'accord. Je peux casser ça? Non, ok, d'accord. On peut pas casser le décor, c'est un peu dommage ça. Par contre, il fait très sombre sur certains endroits et on ne voit pas grand-chose. Ah, le gars a l'air d'être là, non? Ou c'est moi qui bug complètement? Ah ouais, d'accord, Vengeance. ok. On n'a pas Bon. fini d'en voir. On est peut-être trop proche de la surface pour appeler ça les tréfonds. En fait, je vous ai dit que je détestais les tréfonds. Bon bah en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas contre quoi il se battait. Ah, contre ça. Ah, GG pour mon niveau 6. Ah. Ils se battent contre quoi? Ah d'accord, ok, il est encore là-bas. Alors c'est moi où j'ai vu un petit ralentissement. Est-il possible que j'ai eu un ralentissement? Il est même probable. Bon allez, reviens, reviens. Va pas trop vite parce que sinon on va louper plein de choses. Ça serait dommage. J'ai vu qu'il y avait une porte là. Niveau 6, est-ce que j'ai de l'équipement pour niveau 6? Inventaire. Alors, arme. Cours, non, c'est toujours le même, d'accord, ouais. Varric, c'est quoi qui prend? C'est Arche. Ouais, de toute façon, il y a toujours Bianca, d'accord. Cassandra, c'est bouclier.
Équipé, ouais, non, d'accord, c'est toujours le même. Et c'est quoi ça? C'est celle que je lui équipais? Ah non, c'est une... Ah, c'est pas mal ça. Quoique c'est celle qui est là est quand même mieux, non? Ouais, celle qui est là est quand même mieux. Elle fait moins de DPS, mais... Oh, il y a quand même vachement... Il y a quand même presque deux fois plus de DPS. Question de... Ah oui, c'est pour les voleurs. Ok. Et c'est quel niveau? Niveau 9, ok, d'accord. Bon, bah apparemment, il n'y a pas grand-chose. Je vais aller voir dans les armures au cas où. Armure. Code de maille d'éclaireur. Niveau 3, condition voleur. Et il porte quoi, lui? Ouais, c'est ce qu'il porte, bah oui, évidemment. Alors, c'est ce qu'il porte, parfait. Le premier truc qu'il prend pour poids d'apprenti. Qu'est-ce qu'il porte? Ok, Cassandra, bah Cassandra, c'est de la mer lourde. Bon bah apparemment, écoutez, il n'y a pas grand-chose, on va attendre, de toute façon c'est pas grave. On a le temps. Oula, j'ai envie de tomber quand même, ce serait dommage. Oula, ouais, 2 minutes là, parce que... ah oui, bah oui, bah voilà, il est là, tout simplement. D'accord, Solas. Solas, tu vas nous griller tout ça. Tu vas nous griller les trois là. Hop. Du coup, Cassandra, tu vas me t'occuper de lui. Varric, tu vas me dépoter le gros parce que je sens qu'il va faire très très mal. Et moi, je vais geler peut-être. Il y en a un là. Le premier, histoire de bloquer. J'ai autre chose ou pas? Non, j'ai pas encore d'autre sort. Histoire de bloquer celui-là. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais, d'accord, ok, on voit déjà. Hop. Putain, il est déjà là. Putain, bouge pas, mon gros. Reste là, reste bien où t'es. Très bien, voilà. Nickel, merci. C'est ce que je voulais. Ah ah! Ah ah! Oh, je me suis pris un sacré coup de machin là! Oh putain, putain, on va pas rester dans le... Ah! Ouais, ça je l'ai senti venir là, le voleur! Ah, mais alors là, je l'ai senti mais me bouffer! Ah oui! Alors toi, bouge pas mon gros, ouais voilà, tu bouges plus, parce que le coup de je te le prends dans le dos là, c'est une fois ça fonctionne, deux fois non, c'est pas drôle. Ah putain, mais laissez-moi bouger. Ouais, ça c'est pas drôle. Ça c'est moins drôle tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah putain, et voilà. Ah la couille! Ah putain, ça c'est chiant. Bah ouais, mais je fais quoi? Ah, il y a encore cela ce qui vient de sauver le machin. Va comprendre, va comprendre. Bon, je sais pas si j'ai tué le machin. Il me poursuit ou pas? Je vais essayer de remonter. Ok, on est tous là. Est-ce que j'ai encore des popos? Oh, j'ai plus de potions, ça craint. Tiens, je vais essayer de passer sur moi. Normalement, j'ai. Voilà, je pense qu'on va remonter un peu notre vie. On va attendre un peu et on va y retourner. Et ça nous fait déjà 20 minutes. Oh, la boulette, quoi. Oh la boulette. Oh, de toute façon là j'ai envie de vous dire on va passer en tactique parce que sinon... archer, archer, d'accord, c'est deux archers. toi tu vas me le snitch, 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 snitch.
Toi, tu vas me le, bah, tu vas gros, ça sera bien. Et toi, tu me brûles, tu me brûles. Allez, go. Ah putain, j'avais pas le bon perso. Oh, c'est passé? Sérieux? Ah non, c'est qu'il est pas passé. Putain, ce coup quoi. Il est mort ou pas? Ah, il a l'air mort. Oh putain, j'aurais jamais cru passer. Du coup, on a fini la quête, c'est ça? Les marches solitaires. Ouais, bah si, on a l'air d'avoir fini. Oh purée, genre, honnêtement, je pensais pas que ça allait passer. Je pensais qu'on allait prendre une méchante dérouillée. Ah, on s'est pris quand même une méchante dérouillée, mais ça, apparemment, c'est passé. Bon. Alors, celle de la cuivre, nos présentations. Ok, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce serait pas le machin pour Ok, d'accord. Il y a plein de trucs à lire, de toute façon vous faites pause, hein. Alors, magnifique là, problème. Il y a rien d'autre? Sérieux, il y a pas un... Ce n'est pas assez. Donc apparemment, on va... On va devoir trouver plusieurs volants. Et en ayant plusieurs volants, on va pouvoir certainement ouvrir. Ok, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici, en fait. Et je vais me TP jusqu'à un camp. Et je reviendrai faire une spéciale vidéo juste sur Valamar. Hein, parce que sinon, je suis pas prêt de... Je sens que je vais mourir et ça va me prendre la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me TP. Et on va s'arrêter là. Donc de toute façon, on a fini la mission Mal Profond. Et la prochaine vidéo, ce sera sur sur la description de tout ce machin. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. Et salut tout le monde!